Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Coupe du Monde 2030. C'est parti, ça tombe pile au moment où se joue l'Euro. Bon, pour nous, c'est la Coupe du Monde, mais voilà. Du coup, le groupe, on est avec le Pays de Galles, le Qatar, le Mexique. Pourquoi pas essayer d'aller chercher un premier trophée avec la sélection? Nous, on est parti. Le Qatar, donc normalement, ça devrait le faire. On est en 2030, donc on peut avoir des surprises. Là, je comprends pas pourquoi il... Ça s'appelle plus Coupe du Monde. Est-ce que c'est le fait qu'on est en 2030 ou... Je pense que ça doit être pour ça en fait. Là, franchement, il faut prendre 3 points. C'est le Qatar, normalement. Oh bah d'accord. Ils sont déjà en tape les poteaux. Dès le début. Afif, il s'appelle. Peut-être l'occasion de mener au score. Attention, heureusement. Un peu de champ pour tenter une frappe. Allez. Ouais, très intervention là. Alors, comment il va s'en sortir? Comment il va s'en sortir dans le coin là? Regardez-le, hein. Non mais regardez-les-y, hein. Quel jeu de merde. Quel jeu de merde. Regardez-les, hein. Oh là 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 là, mais c'est catastrophique. Le ballon. Akramafif. Non mais. C'est renvoyé par Delire. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Hein? Ah merde, non, j'ai cru qu'il y avait, plus de deux. Ah, bien joué, il est quand même passé. Ah, c'est bien parti. Yes, c'est vite remis. Let's go. 1-0, le premier but dans cette Coupe du Monde. Allez, début de la seconde période. Après ce petit but, c'est pas passé grand chose. Et oui, on ira voir aussi, si je peux, le classement en Liga, parce que je vous ai fait montrer le classement, mais il restait encore une journée, il me semble. Ok, il y avait 3-4 clubs de... 3-4 clubs égalité. Allez, le petit doublé. Bon, le Qatar, ça va être fait, hein. Je pense que ça va être plié. Je pense pas qu'on va perdre contre le Qatar, en vrai. Ça m'étonnerait qu'il revienne au score. C'est les 3 points de prix qu'il fallait absolument prendre. Il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque. Oh, il s'est bien donné en retrait dans la surface. Bien vu. Très bonne défense là-dessus. Fondeur. Ok. Ils peuvent avancer dans le couloir. La passe en retrait. Let's go, 3-0, 59e minute. Allez, on va demander le changement. On va pas continuer le match, hein. Ça va bien se passer. Allez, on va enchaîner sur le deuxième match. 4-1. Et Almeria a terminé champion. Almeria a terminé champion de Liga. On va du coup rejoindre Almeria. Je l'avais dit que si Almeria terminait champion de Liga, c'était sûr, je signais Almeria. Et bah du coup, voilà, on va signer. c'est ouf quand même de dire ça, mais on va signer chez le champion Almeria. Prendre 3 points contre le Mexique et déjà on sera vraiment vraiment bien. Pas mal. Qui sent avec le ballon. Allez, le ballon repoussé dans la zone dangereuse. Oh, la parade exceptionnelle. Tout le monde l'a vu dedans cette tête. Super progression dans la moitié adverse. Allez, allez. Allez, les frérots. Non, c'est porte ouverte. C'est porte ouverte dans l'axe. Eh oui, l'égalisation. Non, l'ouverture du score. Du Mexique. Bien joué. Allez, là, il faut faire quelque chose parce que pour l'instant, c'est compliqué. Daniel Malen. Daniel Malen. Je vais demander le ballon tout de suite avant qu'il le perde. Allez, yes. Allez, l'égalisation. Les premiers changements avec l'ancien parisien qui va faire son entrée. Malen. Le ballon en profondeur de Malen. Yes. On était vraiment dans un dispositif ultra offensif, hein. Ben voilà, 2-1. Il va rester quand même un peu de temps. Maintenant, il faut tenir le score. Une minute de temps additionnel. Sanchez.
Oh, la mauvaise passe. Tant mieux. Yes, let's go. Les Mexicains hein, qui nous ont mis pas mal en difficulté. Hein. C'était compliqué. Hein. Alors, le classement, ça donne quoi? Mexique, Pays-Bas, ok, bon, c'est un peu logique. Du coup, on affronte le Pays de Galles. Donc, en cas de défaite du Pays de Galles, on met plutôt bien le Mexique. Allez, c'est reparti. Et bah, je suis content. Franchement, je suis content. Après ces deux premiers matchs, honnêtement, je pensais que contre le Mexique, on allait repartir avec soit la défaite, soit le match nul. Et au final, ça va. Ça va, on a plutôt bien défendu. Bon, à des moments, c'est un petit peu. C'est pas ouf, mais je pense qu'il y a moyen d'aller assez loin. Maintenant, il faudra voir contre qui on va affronter également. Oh, le contrôle, dommage. Oui, bien défendu. Dommage. Ça aussi, c'est des choses qu'on devrait éviter. Les Pays-Bas peuvent mettre en place une attaque. En fait, il faut surtout pas perdre de ballon souvent au milieu de terrain, vu qu'on a une défense à 3, enfin même en attaque d'ailleurs. Mais... Ça revient. En fait, c'est le problème, c'est sur les côtés à chaque fois. Et voilà. Attention, ensuite, ça ouvre l'opportunité d'occasion. Et si ça défend mal. Heureusement, ouais, là ça a bien défendu, donc ça c'est plutôt cool quand ça se passe comme ça. Hop. Ok, oh, bien vu ça. Allez, vers l'avant. Bonne progression dans le camp adverse. Boum. Oh, dommage. Si ça rentre. Let's go, c'est magnifique. Ah, oh, je croyais que ça c'était pas rentré. Ce magnifique centre qui s'enroule parfaitement et ça rentre avec le poteau intérieur. Oh, attendez, quoi? Ça rentre avec le poteau intérieur, mais j'ai l'impression que le gardien la touche quand même. Le ballon vers Gravenberg. Ouais. Et ça joue sur Cody Gakpo. Allez, le gardien se couche bien au sol sur l'intervention. Elle vient tirer dans la surface. La défense renvoie et se donne un petit peu d'air. Joachim. Oh, la différence est faite. Ah, il faut prendre sa chance maintenant. Et let's go. Ce but, killer. Ah, il dépose l'adversaire là. Attention. Oui, il la frappe. Ouais, ouais. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'en défense, on a des petits oublis. En plus, c'est bête, hein. Franchement, les actions qu'on prend, c'est pas. On le revoit ici. Loan contraint est parfaitement négocié. Voilà, là, c'est une passe qui vient de l'axe et. Ensuite. À cette distance, pas mal d'options possibles. Des fois, il y a des petits oublis comme ça. C'est la garantie. Ah, il met bien son corps en opposition pour conserver cette balle. Oh, le poteau, ballon toujours en jeu. Mamma mia. On n'est pas des Italiens, mais bon. C'était chaud, hein. Eh ouais, l'égalisation viendra avec la patience et sans se précipiter. Oh, la frappe. Il faut penser à nos amis mexicains là, qui sont bien au classement. Si on peut. Oh, magnifique. Allez, devant le but, il faut frapper. Oh. Allez. Allez, avec de la chance. 75e minute, ça fait 3-1 avec un peu de chance. Avec la petite talonnade là, ah dommage. Et ensuite un peu de chance. Ouais, attention. Aïe aïe aïe. Oh là là. Encore une fois, hein, c'est vraiment des buts de merde. Hein. Bon, heureusement qu'on a mis le troisième. Hein. Mais il reste du temps, il reste combien? 10 minutes. Attention. Hein. Le match nul nous met pas dans la merde, mais. J'aimerais bien faire un sans faute quand même. Non mais attendez, mais il s'est pris le ballon dans la tête. Ok, alors, le ralenti, je veux juste voir. Ah non. Alors, il met une tête, mais t'as l'impression qu'il se fait mal en même temps. Allez. 4-2. Ouais, sûrement une dernière occasion pour le Pays de Galles. Il serait capable de la mettre dedans. Et non, c'est bien défendu. Allez, c'est terminé. Victoire 4-2 contre le Pays de Galles.
Et du coup, on est en fin de saison et nous, on va s'arrêter ici. Vous verrez où est-ce que je signe. Mais bon, voilà, honnêtement, vous le savez, ça sera sûrement Almeria. Et puis, c'est un beau challenge aussi. Ça reste quand même un beau challenge sans forcément être un plus gros que Sunderland parce que là, on rejoint quand même le champion en titre. Donc, c'est pas un petit club. Enfin, Almeria n'est pas devenu un petit club. Enfin, c'est plus un petit club, c'est devenu un gros club. Maintenant, il faut voir comment ils vont gérer le mercato, etc. Donc voilà, en tout cas, n'hésite pas à mettre le petit j'aime. N'hésite pas à me dire dans le commentaire qui tu supportes en club. Et d'ailleurs, en sélection aussi, à part l'équipe de France. Est-ce que tu as une sélection favorite? Et puis, à très vite. Ciao tout le monde.